Et nous sommes encore et toujours en direct du tournoi Primrose ici à Bordeaux pour toute la semaine. Rendez-vous entre 18h et 19h30 sur TV7 pour vivre ce tournoi côté court et côté jardin également. Tournoi sur lequel nous allons revenir dans un instant avec Frédéric Lahari, responsable du service sport à Sud-Ouest. Forcément, un événement aussi, hein, ce tournoi. Mais tout de suite, regardez en 1 minute 30 quelques images de ce tournoi Primrose. C'est le Zap. Et nous voilà donc de retour ici au tournoi BNP Paribas Primrose pour parler cette fois de tennis avec Frédéric Lahari, donc du service sport, responsable du service sport à Sud-Ouest. Alors j'imagine que pour vous, ça fait partie, ce tournoi, Fred, des moments importants dans l'année sportive. Hein. Oui, tout à fait, puisque c'est le tournoi le plus important de la région. Donc c'est un événement bordelais, girondin, mais aussi du Sud-Ouest et de la zone de couverture du journal. Alors, de quelle façon vous traitez ce tournoi dans les pages de Sud-Ouest ? Alors, on l'a traité en amont, déjà, la semaine dernière, avec une page entière d'interview de Nicolas Mahut, qui est l'ambassadeur du tournoi. On a fait plusieurs sujets. On a fait une interview de Joe Wilfried Tsonga ce lundi dans le cahier sport aussi. Et maintenant que le tournoi a commencé, on fait dans l'édition Gironde, pour commencer, on fait deux pages quotidiennes. Une page sportive, on va dire, avec les comptes rendus et les magazines sur les joueurs, et une page côté coulisses, avec tous les à côté, les bénévoles, etc., tous les magazines. Ah, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et nous aussi, sur TVC, nous allons vous faire profiter de ce qui se passe sur les cours, mais aussi côté jardin, parce qu'il se passe beaucoup de choses au-delà des matchs. Mmh. Parlons quand même, effectivement, de Nicolas Mahut. Vous l'avez dit, c'est le parrain de ce tournoi. Il était éliminé en 2-7 par Troïki. Un peu sa bête noire, hein, quand même. Les deux joueurs se connaissent bien et visiblement, ben, Nicolas Mahut, pas très en forme, hein, en tout cas en simple, ces dernières semaines, n'a pas pu surmonter ce côté-là. Oui, c'est une demi-surprise parce que Nicolas Mahut n'est pas un spécialiste de la terre battue, déjà. Et effectivement, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et Troïki, comme vous l'avez dit, la bête noire, il l'avait éliminé en qualification de l'Open d'Australie. Donc c'est une demi-surprise. Mais ce qui est dommage, c'est que Nicolas Mahut a eu des occasions, oui, parce notamment que en premier set. Il a eu deux balles, ouais, de premier set, oui. Voilà, ouais, de premier set. Et c'est vrai que de perdre le premier set au tie-break après avoir eu des balles de set, ça lui a mis un petit coup au moral. Mais il s'est quand même accroché, mais bon. Alors, il y a eu une autre défaite, c'est celle de Tsang, le jeune, le numéro 1 junior mondial, un Taïwanais. On l'a vu, nous, s'entraîner sur les cours, ça tapait très fort. En match, il n'a pas beaucoup pesé lourd. Hein. Oui, bon, on touche la différence entre le niveau circuit junior, il a beau être le meilleur junior actuel, et le niveau senior, c'est dans tous les sports, c'est la même chose. Il y a une grosse marche d'écart physique, mentale, et donc voilà, il faut qu'il apprenne le métier, comme on dit, et voilà, ces tournois-là font partie du métier. C'est un tournoi où on peut avoir une belle finale. Hein. Alors, on ne va pas faire de tennis fiction, mais quand même, si on pouvait avoir un petit Puyi Tsonga, c'est ce que tout le monde espère ici, un peu, en fil pour la finale pour dimanche. Hein.
Oui, c'est vrai que le tableau, le tirage au sort du tableau a fait que les Tsonga, qui est tête de série numéro 3, n'est pas dans la partie de tableau de Lucas Pouille, qui est tête de série numéro 1. Ils auraient pu être dans la même partie de tableau, puisque c'est le 1 et le 2 qui sont opposés, enfin, dans des parties opposées. Donc, effectivement, si la logique est respectée, on pourrait avoir cette finale, sachant qu'il y a aussi Adrien Manarino, qui est tête de série numéro 2, mais qui est moins spécialiste de la terre battue. Donc à suivre bien évidemment les matchs et de Pouille et de Tsonga pour savoir si on va les retrouver en finale dimanche. Finale d'ailleurs que vous pourrez suivre sur TV7 en direct. D'ailleurs, de même que les demi-finales le samedi. Ça fait du bien de voir des Français comme ça de haut niveau venir à Primorose. Hein. Oui, tout à fait. C'est tout à fait attractif pour le public. C'est vraiment exceptionnel. Hein. L'affiche est exceptionnelle parce que c'est pour un tournoi Challenger, d'avoir le numéro 32e, le numéro 32 mondial, c'est exceptionnel parce que normalement, il ne navigue pas dans ce niveau-là de ouais. tournoi. Mais les circonstances ont fait qu'il a besoin de jouer, notamment sur terre battue, parce qu'il est un petit peu en manque de confiance et de résultats. Donc les Jean-Baptiste Perlin, le directeur du tournoi, a parfaitement saisi l'occasion en lui tendant la perche. Et effectivement, il a vraiment senti que c'était le moment. Et, ouais. et c'est très bien pour le tournoi et pour les spectateurs. Et là, je peux vous assurer que quand ou Lucas Pouille ou Joe Wilfried Tsonga s'entraînent, il y a du monde autour. Hein. Ce sont vraiment les deux vedettes de ce tournoi. À suivre quand même à Nicolas Mahut pour la suite, parce qu'il est encore en lice, en double. Et c'est un très, 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 très bon joueur de double. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est un des meilleurs mondiaux. Il a gagné les quatre grands chelems avec Pierre-Hugues Herbert, notamment. Et oui, c'est le top du double. Hein. Il n'y a pas de souci. Il est très, très fort. Merci beaucoup, Fred Lahry, d'être venu nous parler effectivement de la façon dont Sud-Ouest couvre ce tournoi à Primorose, duquel nous sommes en direct durant toute la semaine. Et puis donc, vous l'avez compris, les comptes rendus de match, mais aussi ce qui se passe côté coulisses de Primorose, c'est demain dans les colonnes de Sud-Ouest. Et sur le site internet, j'ai oublié de le dire, il y a une chronique qui est régulière tout au long de la journée, avec des vidéos en collaboration avec vous. Donc il y a aussi une chronique sur internet tout au long de la journée. Le sport, on en parle encore ici depuis le tournoi Primorose avec un invité assez exceptionnel aussi pour Top Rugby dans un instant avec Mathieu Lazovo. Ce sera Jefferson Poirot. Voilà, parce que Jefferson Poirot sera dans un instant l'invité de Top Rugby avec Mathieu Delzovo. Et un petit peu après, nous parlerons des Girondins de Bordeaux avec Anthony Thiodé. On fait une petite pause, on se retrouve ici tout de suite depuis la Villa Primorose.